Martin a passé les deux dernières années à combattre la leucémie, alors qu'il devait vivre la vie insouciante et heureuse que chaque enfant de 4 ans mérite de vivre. Il endurait de nombreuses visites à l'hôpital et des traitements douloureux, sans vraiment comprendre pourquoi. Puis, la pandémie de coronavirus a touché le pays et ses parents ont été contraints de continuer le traitement de leur fils en respectant les règles de confinement obligatoires. Malgré les difficultés et 2 années de traitement intensif, ce gentil garçon d'Argentine a finalement réussi à combattre cette maladie. Tout comme ses parents n'avaient pas permis que le confinement entrave le traitement de leur fils, personne au monde n'allait les empêcher de célébrer. La famille de 5 personnes a orné la voiture de ballons et d'affiches arborant les messages « Aujourd'hui, c'est ma dernière chimio et j'ai vaincu le cancer » et a fait le tour de la Villa Gesell dans la province de Buenos Aires. Des milliers de personnes ont été émues par cette nouvelle et ont commenté suite à la photo parue sur les réseaux sociaux des visages rayonnants de la famille avec Martin à bord de la voiture. La maman Diana a souligné que leur récit avait donné de l'espoir à de nombreuses personnes et qu'elle n'avait pas de doute que ce jour viendrait. Elle a ajouté « C'est une véritable explosion d'émotions. Nous avons bondi, nous nous sommes enlacés, nous avons pleuré tous ensemble. Je suis très heureux que Martin se soit rétabli et qu'il puisse maintenant profiter de la vie comme il le mérite. Je vous invite mes amis à partager pour faire part de vos vœux à Martin et sa famille. Merci. »